Bonjour, bonsoir les frères et les sœurs en Christ. Aujourd'hui, c'est un merveilleux jour. Nous voulons vous parler un peu des œuvres de Dieu. Nous allons parler de ce témoignage pour montrer des grandes choses que Dieu fait. Dieu est capable, lorsque les hommes sont à bout, lorsque les hommes sont limités, comme la Bible dit, c'est là où il commence. Là où notre intelligence est limitée, lorsque nous sommes dans des situations difficiles, nous ne savons pas comment s'en sortir, que ce soit la maladie, la mort qui peut se présenter, un problème quelconque dans nos vies. Mais n'oublions pas, la Bible dit, lorsque les hommes sont fatigués, sont à bout, c'est en ce moment que Dieu commence. Dans le témoignage d'aujourd'hui, nous allons vous montrer le serviteur de Dieu qui a expérimenté quelque chose de réel. Le témoignage que l'homme de Dieu, l'apôtre Tony, nous donne très souvent, beaucoup ne le savent pas, mais aujourd'hui, ils vont entendre eux-mêmes de la bouche de celui qui était présent lorsque la scène s'était passée. Vous-même, écoutez et suivez ce que Dieu fait. Il dit, aucun cheveu de nos têtes ne peut tomber à terre s'il ne le permet. Je ne vais pas prendre trop de temps. Lui-même, il est là, serviteur de Dieu, Papa Jean. Lui va nous relater ce qu'ils ont vécu, ce que Dieu a fait. Alors, je laisse la parole à Papa Jean. Je vous laisse le temps de raconter au peuple de Dieu ce que Dieu a fait pour vous. Merci, peuple de Dieu. Je m'appelle pasteur Jean-Pedro. Celle qui est à mes côtés, c'est mon épouse. Son nom, c'est Thérèse Jean. Pour nous, aujourd'hui, c'est une grande journée. Où nous nous rappelons d'un grand événement qui s'est passé dans nos vies. Moi, ainsi que l'homme de Dieu, le révérend Tony Silas. C'était un 22 février 1993. Le 22 février 1993. C'était une journée ici dans notre pays, l'Angola. Il y avait des troubles dans le pays. On tuait toutes les personnes qui parlaient le Lingala. Alors ce matin-là, nous ne savions rien. Nous ne savions même pas qu'il y avait le trouble dans le pays parce que c'était quelque chose de caché. Alors le révérend Tony m'a pris dans sa voiture. Nous sommes sortis, nous sommes allés en ville pour des démarches qu'il faisait souvent avec moi. Et vers 11 heures, il m'a dit que je vois qu'à 7 heures, nous devrions rentrer à la maison, manger quelque chose et puis retourner dans les après-midi. Alors quand on venait ici, là, on venait, on rentrait, on voyait déjà que le climat dans le pays, dans la ville n'était pas bien. Or, à partir de 10 heures déjà, on commençait à tuer les personnes qui parlaient le Lingala. Alors, nous, on venait en voiture. Nous avions bien monté les vitres de la voiture. Le révérend Tony était au volant et moi, j'étais juste à côté. Arrivé à un arrêt, c'était Kuka. Et nous avions arrêté la voiture. Nous avions appelé quelqu'un qui était là. On lui a posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? On voit que la situation est agitée comme ça. Et la personne nous a dit, on est en train de tuer toutes les personnes qui parlent le Lingala et les West Africains. Et quand il nous a répondu ainsi, nous avions bien fermé nos portières et nous avancions. Et on voyait devant nous les gens avec des pierres, des bâtons, des machettes, des couteaux.
Et même on arrêtait les voitures qui passaient et on vérifiait si vous êtes des personnes qui parlent le lingala, on vous tuait. Alors qu'on avançait, on a vu la première rencontre de ces gens-là, ils nous ont bien observés et ils se sont mis à discuter entre eux. Non, non, ceux-là, ils parlent le lingala. Et d'autres ont dit non, 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 pas ceci, laissez-les. Et déjà dans ce groupe-là, il y a eu division. Les gens étaient divisés. Ils ont dit non, 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 eux, ils ne parlent pas le lingala. Et d'autres ont dit non, 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 eux, ils parlent le lingala. Et pendant qu'ils discutaient là, le révérend Tony a démarré la voiture. Nous avions traversé la première barrière. Et devant, on a vu qu'il n'y avait plus de d'issue. On commençait à faufiler pour trouver une rue et des chemins pour arriver à la maison. Et malheureusement, ce n'était pas facile parce que la ville était dans le trouble. Et arrivé un peu plus loin quelque part, on trouve un policier avec son arme qui nous fait arrêter. Le révérend Tony a dit, bon, arrêtons-nous parce qu'il est armé. Si nous arrêtons pas, il va tirer sur nous. Arrêtons-nous et écoutons ce qu'il veut. Et quand nous sommes arrêtés, il est venu, il a dit, j'ai besoin que vous m'ameniez jusque devant un peu plus loin. Le révérend Tony a dit, vous pouvez entrer, il est entré dans notre voiture et on avançait avec lui. Alors la présence de ce policier-là était déjà pour nous une faveur pour passer plusieurs groupes qui étaient déjà bien armés avec des bâtons, des machettes pour tuer. Et nous sommes arrivés plus loin où nous avons trouvé deux femmes. Il y avait une maman et une jeune fille. Et donc, c'était le moment où on devait vraiment les tuer sur place. Et nous sommes arrivés en ce moment-là. Et elles connaissaient le révérend Tony. Elles ont crié vers le révérend Tony, papa, papa. Et quand il a regardé, il a fait arrêter la voiture. Et comme ce groupe-là a vu qu'il y avait un policier dans notre voiture, ils étaient là en train de se demander, mais est-ce que ce policier fait la sécurité ou qui sont-ils? En ce moment-là, le pasteur Tony a appelé ces deux femmes-là à entrer dans la voiture. Et c'était le salut pour ces femmes-là. Et il a démarré la voiture, nous sommes partis. Nous sommes partis avec ses mamans et nous sommes arrivés là où le policier qui était dans notre voiture devait descendre. Et il est descendu et il est arrivé là où il devait partir. Et nous sommes restés dans la voiture, nous étions à quatre. En avançant un tout petit peu, on a vu des gens qui tuaient. Il y avait deux policiers en tenue avec leurs armes, avec leurs motos. Et ils sont venus devant nous, ils nous ont fait barrière. Et quand ils nous ont fait barrière, ils nous ont amenés jusque quelque part. On a fait arrêter la voiture, ils nous ont fait descendre de la voiture. Ils nous ont mis à côté. Ils ont demandé aux mamans que nous avions transportées, les mamans, est-ce que vous les connaissez? Et les mamans ont dit, non, nous ne les connaissons pas. Et ils nous ont juste aidés. Donc, ils nous ont juste pris comme ça gratuitement. Alors, les policiers ont dit aux mamans, vous pouvez partir. Et ils nous ont mis à côté, bien aimés. Ils ont commencé à tirer droit sur nous. Ils étaient juste à 3 mètres. Ce n'était pas une longue distance, mais à 3 mètres, ils ont chargé. Et ils tiraient sur nous et les balles ne nous pénétraient pas, les balles ne nous touchaient même pas et toutes ces balles-là déviaient. Eux-mêmes, ils ont dit, mais ces gens ont des fétiches. Mais nous n'avions pas de fétiches.
Et quand il tirait sur nous, nous, dans le cœur, on intercédait. On observait la scène et on attendait la délivrance de Dieu. Ils ont tiré jusqu'à ce que le chargeur était épuisé. Ils ont chargé encore, ils ont tiré et ils ont vu que le son des balles dans ce quartier-là, les gens ont beaucoup entendu ce son-là et ils nous ont dit, bon, entrez dans le camion. Il y a un qui a pris le volant et l'un était derrière avec moi et il y a un qui était juste devant avec le révérend Tony. Ils nous ont amenés jusque dans un certain cimetière. Ils nous ont amenés là-bas. Ils se sont dit, puisqu'ils ont tiré sur nous, là où il y avait les gens, et les gens ont entendu les coups de feu, alors les gens devaient se dire qu'il y a une action qui se passait là. Alors ils nous ont amenés jusqu'au cimetière pour nous tuer là-bas. Arrivés au cimetière, la voiture qu'on avait ne voulait plus démarrer. Ils ont essayé de démarrer la voiture, mais rien ne se passait. Ils nous ont fait descendre. Celui qui était armé, il nous contrôlait. Et celui qui était au volant, il a demandé que nous puissions pousser la voiture. On poussait la voiture, mais ça ne démarrait plus. Arrivé quelque part, ils ont vu qu'il y a une action qui ne marchait pas pour eux. Alors, ils ont décidé de nous faire descendre de la voiture et de nous achever autrement parce qu'ils ont vu qu'ils ont tiré sur nous, on ne mourait pas avec les balles. Alors, nous, on s'est dit, ils voulaient nous achever avec, en nous poignardant. Et juste au moment où ils voulaient nous achever, il y a une Jeep qui est apparue subitement avec un officier, avec son équipe de soldats. Ils étaient au moins 6. Et ils ont vu qu'il y avait une action vers le cimetière. Et 2 soldats et 2 civils et la voiture, ils ont commencé à avancer. Ils sont arrivés jusque là où on était. Et quand ils sont arrivés, ils se sont arrêtés, ils sont descendus. Ils nous ont demandé, qu'est-ce qui se passe ici? Nous étions tellement dans la peur, nous n'arrivions plus à parler. Ceux qui viennent d'arriver sont des soldats. Ceux qui veulent nous tuer sont des soldats. On ne savait plus quoi faire. On est resté là, on ne disait rien. Et eux, ils ont pris le courage, ils ont commencé à essayer de convaincre les officiers et les soldats qui venaient d'arriver. Ils ont dit non, ce sont nos bien-aimés, mais c'est la voiture qui nous dérange. Et l'autre groupe a dit, bon, on pensait que c'était un problème, comme il n'y a pas de problème, ça va. Alors, ils commençaient à retourner vers la Jeep de l'officier, les soldats. Mais cet officier-là n'était pas convaincu de leurs paroles. Il les a laissés, il est revenu vers là où on était. Il nous a demandé, écoutez, soyez calme, expliquez-moi ce qui se passe ici. Alors on a pris courage, on lui a expliqué. On a dit, nous on venait, ils nous ont enlevés par ces gens et ils veulent nous tuer. Déjà, ils nous ont tiré dessus et les balles ne nous ont pas touchés. Voilà pourquoi ils nous ont amenés ici au cimetière. Et quand cet officier a entendu cela, et donc il s'est mis en colère avec ses soldats, ils ont arrêté ces gens-là, on les a désarmés. Et ils nous ont demandé si c'était nous-mêmes qui conduisions la voiture. Le révérend Tony a dit, oui, c'est nous-mêmes qui conduisions la voiture. Il a dit, où est la clé? On a dit, c'est entre leurs mains. Où sont les documents de la voiture? Entre leurs mains. Ils les ont arrachés, les clés, les documents de la voiture. Et le révérend Tony, dès qu'il est entré dans la voiture, il démarre la voiture. Tout de suite, la voiture démarre. Donc, eux tous là, ils étaient étonnés que cette voiture qui ne voulait plus démarrer, on a essayé de pousser, mais ça ne démarrait plus. Mais dès qu'on nous a remis les clés de la voiture, le pasteur Tony a mis les clés, il a démarré et la voiture
a démarré et les policiers ont dit, bon, comme c'est ainsi, vous soyez devant nous et nous, on sera derrière vous. On va vous escorter jusque dans votre maison et après, nous, nous allons rentrer. Ils nous ont donc accompagnés jusque dans la maison du révérend Tony. Arrivés là-bas, ils ont dit au révérend Tony, fais entrer la voiture dans la maison, entre à la maison, ne sors plus et ferme la maison. Et le révérend Tony a demandé qu'on puisse laisser le pasteur João chez moi jusqu'après les troubles. Ils ont dit non, non, toi rentre chez toi. Et lui, le pasteur João, on va l'amener jusque dans sa maison. Or, c'était le plan là où, dans ma maison, les gens du quartier cherchaient aussi à venir tuer ma femme et les enfants là où ils étaient. Et donc, eux, ils m'ont pris dans leur jeep. Nous sommes arrivés à la maison. En arrivant à la maison chez moi, et ces gens-là qui venaient menacer ma famille, ils ont vu le camion de la police. Moi, je suis descendu. Et ils se sont dit, ah, celui-ci est de la famille de ce chef-là qui m'avait amené. Et Dieu nous a délivrés ainsi. Voilà pourquoi Dieu a permis qu'on puisse m'amener jusque chez moi. Ils pouvaient me laisser, même chez le pasteur Tony, mais ils se sont dit, non, on l'amène jusque dans sa maison. C'était dans le but d'aller délivrer une famille qu'on allait tuer là-bas. Personne ne le savait, mais Dieu lui-même le savait. Et quand nous sommes arrivés chez moi, et ces gens-là ont vu, ah, il est avec la police, c'est qu'il est de la famille de ce chef-là. Et ces gens-là se sont dispersés et on m'a fait descendre, on m'a fait entrer dans la parcelle. Ils m'ont dit, entre dans la maison et ne sors plus. Et quand je suis entré dans la maison, une chose grave, ce qui nous a dépassé. Moi, j'ai dit à mon épouse, donne-moi quelque chose, un peu d'argent pour remettre à ces policiers-là qui m'ont accompagné. Elle m'a donné l'argent en main. Je sors avec l'argent, je donne aux policiers. J'ai dit, ceci, je vous donne pour aller acheter quelque chose. Et ces policiers-là ont refusé. Ils ont dit, non, 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 non. Nous ne prenons pas l'argent, nous n'avons besoin de rien. Rentre chez toi, enferme-toi dans la maison, ne sors plus. Vraiment, je ne pense pas que ces gens-là étaient vraiment des vivants. Parce que des vivants, un policier en Afrique refusait l'argent. Et ce chef-là, il s'appelait Tony. Étrangement, il s'appelait Tony. Et quand le trouble était fini dans la ville, dans le pays, on a tout fait pour chercher ce chef-là du nom de Tony, mais on ne l'a plus jamais retrouvé. Alors, c'est quelque chose qui est resté gravé dans nos vies. Et donc, vraiment, pour moi, je m'arrête là. Voilà ce que je pouvais raconter de cette expérience-là et je donne la parole à mon épouse si elle a quelque chose à dire. Merci beaucoup pour le témoignage que le pasteur João vient de donner. C'est mon mari. En tout cas, tout ce qu'il a relaté, c'est vraiment ce qui s'est passé. Si nous sommes en vie jusqu'aujourd'hui, c'est vraiment la grâce de Dieu. Parce que ce qui s'était passé là, comme il vient de témoigner, en se rappelant de cela, on se dit non, la parole de Dieu est vraie. Ceux qui sont en Dieu ont tout. C'est une histoire qu'on raconte aujourd'hui, mais vivre cela à l'époque, c'était autre chose. Donc, comme ils viennent de dire, ils étaient sortis, tout ce qu'ils ont fait, ce que moi je peux témoigner brièvement, c'est ce que moi j'ai vu quand il est revenu. Vraiment, la ville était dans le trouble. Et c'était vers le matin, on a vu que les gens qui fouillaient, les gens se dispersaient, achetaient des choses, faire des provisions. On nous a dit qu'il y avait le trouble dans la ville. On entendait des tirs par-ci, par-là, des bombes. Vraiment, c'était difficile. On s'est réfugié dans nos maisons.
Et je me suis dit, mais mon mari est sorti avec le trouble, comment vont-ils rentrer? Il est sorti avec le pasteur Silas, si j'ai commencé à intercéder, parce que dehors, tu ne peux même pas sortir. Ils étaient avec des machettes, des bâtons, ils menaçaient les maisons, ils tuaient. Et dans le quartier, il y a eu des morts qu'on connaissait. On n'allait même pas enterrer dans un cimetière quelque part. Là, il y a un terrain, vous enterrez. C'était vraiment une guerre terrible. Mais quand j'intercédais, quand mon mari était en dehors de la maison, et j'ai vu à un certain moment, j'ai entendu dehors une voiture s'arrêter. J'ai dit, mais qui sont ceux-là? Parce qu'il y a eu le trouble, à un moment on était venu nous menacer. J'ai regardé par la fenêtre de la chambre qui donnait par l'extérieur vers la route. Et j'ai vu qu'il est descendu avec un soldat l'accompagnant. Il lui a dit « Vas-y et ne sors plus parce que la ville est vraiment dans le trouble. » Et je me suis dit « Ceux qui sont venus nous faire du mal ou comment ?» Mais après, j'ai compris que Dieu lui a envoyé un ange pour venir l'accompagner. J'ai pris un peu d'argent pour lui donner et qu'il le remette pour cet acte qu'ils ont fait. Ils ont refusé, ils ont dit « Non, on ne veut pas d'argent, entrez dans la maison, fermez-vous parce que la ville est dans le trouble. » Et c'est après, quand il est rentré, il m'a expliqué tout ce qui s'est passé. Vraiment, nous avions glorifié Dieu de voir que j'allais rester veuve avec les enfants. Mais le Dieu de miséricorde nous a fait grâce en opérant ce miracle. Beaucoup de gens avaient perdu les membres de famille, avaient perdu des maris, des enfants étaient perdus. Il y avait beaucoup de choses abominables. Voilà pourquoi je peux dire, si tu sers le Dieu vivant et que tu le crains, il a des projets de bonheur pour toi. Et ces projets-là, s'ils sont encore sur toi, tu ne mourras pas. Le Dieu du ciel te protégera, quelles que soient les circonstances. Si tu sais que tu sers Dieu en vérité, que tu le crains, même si un problème arrive, sache qu'une intervention rapide viendra et Dieu te fera du bien à cause de son nom. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous témoignons ces choses alors que ça s'est passé il y a des années. Vraiment, Dieu nous avait fait du bien. Merci à vous. Vraiment, nous remercions le Seigneur parce que vous avez entendu ce témoignage. Chaque fois, l'homme de Dieu, l'apôtre Tony, le témoigne. Parce que notre vie, c'est témoignage sur témoignage. Nous n'avons pas d'histoire à raconter aux gens. Ce que nous disons aux gens, c'est ce que nous avons vécu. Et ces témoignages sont vrais, ce sont des choses que nous avions vécues, c'est ce que nous racontons aux gens. Nous parlons aux gens de ce Dieu, le Dieu qui guérit, le Dieu qui protège, le Dieu qui défend son peuple, le Dieu qui est l'avocat de son peuple. Dans toutes circonstances que tu peux rencontrer, si tu places ta foi en ce Dieu-là, tu ne manqueras pas d'avoir la solution. Vous venez d'écouter ce témoignage, c'est vraiment une expérience vraie. Nous avions vécu cela dans cette ville ici, comme Papa Jean vient de donner ce témoignage. Ce jour-là, c'était horrible. C'était un jour de pleurs. Beaucoup de gens étaient morts. Donc, comme ils viennent de raconter, ils étaient sortis. Ils ont fait face à des embuscades. Ces deux sœurs-là, quand elles ont entendu des tirs sur les hommes de Dieu, les murs ont éclaté à cause des tirs. Et quand ces deux femmes ont entendu cela, elles sont venues me dire « Le papa de lumière dont l'apôtre Tony est mort. » Et je ne savais pas quoi faire. C'était le calme dans la ville. Tu ne peux même pas sortir. J'avais encore un bébé dans mes mains. C'était difficile. Mais n'oublions pas que Dieu est Dieu. Dans Psaume 91, il dit « Aucun malheur ne nous arrivera. » Aucun malheur ne nous arrivera parce que Dieu est notre bouclier. Dans Psaume 38, là, il nous dit encore qu'il y a un ange de l'Éternel qui campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel. Et cet ange-là est là pour nous arracher des dangers qui peuvent nous arriver. Donc, ces personnes-là qui étaient venues là, c'était comme des anges que Dieu avait envoyés dans ces temps difficiles. Dans des moments où des gens mouraient, Dieu envoyait ces anges-là
pour les arracher de ce danger-là. Donc j'étais là avec les pleurs, avec mes enfants qui étaient encore petits, avec le bébé dans mes mains, et jusqu'à ce que la voiture est entrée dans la maison, j'ai vu comment il sortait de la voiture. Il était tellement ému, ils étaient braqués, et quand j'ai ouvert la porte, il est entré. Chose étonnante, il est venu directement, il s'est jeté sur le canapé et la parole qu'il a sortie de sa bouche, c'était « Il est infiniment grand » et directement il s'est jeté sur le canapé, il a dormi directement et moi je n'avais rien à dire, je l'observais juste, là les policiers sont partis et il a dormi et après quand il s'est réveillé, là il m'a raconté maintenant ce qui s'était passé. Comme vous venez de l'entendre, il m'a raconté comment ils ont été délivrés de la mort. Donc, bien aimé, je vous dirai, Dieu est vivant. Ce Dieu que nous prions est vivant. Donc, pour conclusion, vous l'écouterez vous-même de la bouche de l'apôtre Tony. Nous, nous avons donné ce témoignage par rapport à ce que nous avions vécu. Alors, après, l'apôtre Tony va vous exhorter, vous parler de la grandeur de Dieu par rapport à ce qu'il a fait. Que Dieu vous bénisse. Toute personne qui a suivi ce témoignage, je crois que tu ne manqueras de rien. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Join us at Assemblée du Dieu vivant every Sunday at 10 a.m. and every Wednesday and Friday at 6:30 p.m. You are welcome.